Que le peuple recrie Amen. Ce soir, quelque chose d'inoubliable. Un nouveau départ dans chaque vie au nom de Jésus. Comme notre pasteur d'État l'a mentionné et le répète, et il parle des merveilles sans nombre. Cela veut dire qu'il y a un miracle merveilleux pour chacun de vous ce soir au nom de Jésus. Alors, nous avons les chiffres 1, 2, 3 et nous finissons de compter sans nombre. Et nous continuons et nous allons en ligne. Et tous ceux-là qui sont en ligne, dans toutes les assemblées où nous nous rassemblons ici, dans chaque État, au Nigeria, dans toutes les nations d'Afrique, en Amérique, dans l'Atlantique, dans le Pacifique, partout. Miracle, miracle, miracle. Et ce soir, c'est le commencement. Et je veux plaider avec toi. Aie un rendez-vous avec Dieu. Prends rendez-vous 6 jours, aujourd'hui et mardi. Viens chaque jour. Et tout ce que tu aimes, tous tes amis, et même ceux qui ne sont même pas trop tes amis, rassemble tout le monde, partout. Dieu fera quelque chose de mondial dans ce mois de janvier au nom de Jésus. Si tout le monde doit avoir des miracles, des prodiges, le salut et la délivrance et la guérison sans nombre, je ferai partie de ces gens-là. Moi, je recevrai la touche divine. Notre pasteur dit, c'est comme ça, c'est tout ce qu'on pouvait dire ça. Et le Seigneur va déverser les bénédictions sur vous au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous demandons que tu démontres, que tu manifestes qui tu es à chacun. Dieu de création, Dieu de rédemption, de salut, de guérison et de délivrance. Seigneur, je prie, tout le monde sans exception, nous recevrons des prodiges du ciel au nom de Jésus. Cette année sera une année de prodiges, une année de miracles, une année de touches divines et commence dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Mets un témoignage dans chaque bouche. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a déjà béni. Assieds-toi dans la bénédiction du Seigneur. En Ésaïe, Ésaïe chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il dit, venez, je plaidons. Si tu souffrais, tu es déprimé, tu es confus, tu es vraiment déchiré et les choses ne marchent pas dans ta vie. Le Seigneur dit, oui, je sais. Et je sais exactement ce que tu endures. Je sais ce que tu souffres. Et donc, je suis même prêt à t'aider. Mais il dit, maintenant, voici ton jour, voici ton heure. Venez maintenant et plaidons. Plaidons. Voyez le Dieu Tout-Puissant, très haut, élevé dans le ciel, grand au ciel, avec la puissance, capable de tout faire. Il dit, toi viens, et viens, plaidons ensemble. Je me demande, pourquoi Dieu le Tout-Puissant peut dire, plaidons ensemble. Laissez-moi rester ici. Regardez-nous, il dit, il va créer l'homme et il va créer l'homme et tout homme, toute femme sera comme lui. Pas de maladie au ciel, il ne nous a pas créé pour avoir la maladie, pas de tristesse, pas de chagrin,
pas de tristesse au ciel. Et dit, nous voulons donc créer l'homme afin ici la terre soit comme un mini-ciel, soit l'image du ciel. Mais regardez ça maintenant. C'est comme si la maladie partout, la tristesse partout, les problèmes partout. Et dit, toi viens. Et maintenant, plaidons ensemble. Toi, dis-moi ce que tu veux. Et moi, je te dirai ce que je désire pour chacun sur la terre. Et je crois qu'aujourd'hui, comme tu viens et tu dis oui, Seigneur, regarde mon défi. Est-ce que c'est ta volonté? Il va t'exaucer. Il va te dire non. Chagrin n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et la dépression n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Pour qu'une personne, est-ce qu'il faut ôter ma vie? Est-ce qu'il faut commettre le suicide? Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La joie est la volonté de Dieu pour toi. Le salut est la volonté de Dieu pour toi. Et que ta vie change et soit transformée, ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Il dit, plaidons, dit l'Éternel. Maintenant, il dit, si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Toute tâche de ta vie, le Seigneur va tout laver ce soir. Et cette tâche noirâtre, cette chose sale, cette chose qui te donne le souci et de la condamnation, le Seigneur dit aujourd'hui, même si tes péchés sont aussi sont comme le cramoisi, c'est-à-dire la couleur la plus sale. Vous pouvez utiliser le savon naturel, ça ne lave pas. Vous utilisez les détergents, ça ne lave pas. Et toutes les choses de la terre que vous pouvez utiliser, tous les remèdes terrestres que vous pouvez utiliser pour ôter cette tâche, le Seigneur dit, avec lui, avec Dieu, avec le Dieu Tout-Puissant, cela est possible ce soir. Il va ôter toutes les tâches. Il va ôter toutes les condamnations. Il va ôter toute la dépression et les choses qui poussent l'homme, qui poussent la femme, qui veut commettre le suicide. Il va ôter cela de ta vie ce soir au nom de Jésus. Et il dit, s'ils sont rouges comme la pourpre, s'ils sont rouges comme la pourpre, voici le Dieu Tout-Puissant. Il dit, si tu peux seulement venir. Ça, c'est la parole d'invitation, c'est la parole d'action. Tu es assis là. M'attacher à ma maladie d'abord un jour de plus. Non, non, non. Tu ne vas pas ramener la maladie à la maison au nom de Jésus. Oh, je suis déjà habitué à pleurer. Je vais encore pleurer ce soir. Et je reviendrai après. Il dit, pourquoi? Pourquoi vas-tu tarder? Le Seigneur va effacer les larmes. Pourquoi ne veux-tu pas effacer l'agonie, l'anxiété, tout ce que tu as? Il dit, maintenant, viens. Et le mot venir, le verbe venir, s'il est debout ici, et toi tu es en bas là-bas, tu ne peux pas rester là-bas et dire, je viens. Non, viens. C'est un mot d'action. Il a envoyé Jésus. Vous savez ce que la Bible a dit? Jésus est venu. Si Jésus était resté au ciel, ça n'allait pas être un signe qu'il est venu, mais il a quitté là où il était. Parce qu'il veut te délivrer. À cause de toi, il est venu. Quelqu'un dit Amen. À cause de tes péchés. À cause de ta maladie, à cause de ta tristesse, à cause de ta honte, tu ne pouvais même pas sortir. Il dit maintenant, plaidons, je peux effacer cette honte ce soir, je peux effacer toute la dégrâce, disgrâce, les déshonneurs. Mais toi, tu dois faire quelque chose. Il dit, je t'attends ici, viens, viens maintenant et plaidons. C'est une consultation de l'homme et de Dieu. Il dit, venez, viens consulter avec moi. Viens me dire, et moi je te dirai la raison pour laquelle ces choses ont eu lieu. Et après la discussion, après la pétition, après la prière, après avoir exposé ta condition à Dieu, alors, avant de quitter ici ce soir,
Il va laver ta vie. Il va ôter tout péché et toute condamnation de ta vie. Alors, il utilise deux mots. Il dit, neige et laine. Aucune tache ne restera plus dans ta vie à partir de ce soir. Alors, aucune saleté ne restera plus dans ta vie ce soir. Parce qu'il dit, une fois que tu viens, tu me parles et moi je te parle. Et j'ai déjà pourvu un remède, une solution. Ton problème est terminé. Mes problèmes sont terminés. Le péché est terminé. La maladie est terminée. Dis-le pour toi, non? La dépression est terminée. Et tous les défis qui te poussaient à vouloir tout terminer. Je suis fatigué. Ça va quitter ta vie. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle création, la rédemption viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je considère le message, la grande invitation par le Dieu des prodiges. La grande invitation par le Dieu des prodiges. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la situation sombre. Où suis-je présentement? Où es-tu présentement? Si tu vas chez le docteur et tu dis, docteur, 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 oh je suis malade, traite-moi. Il ne va pas seulement te donner le remède immédiatement. Il va regarder ta condition, ta situation. À quel niveau est le problème? À quelle étape est le problème? Il va donc chercher à vérifier la condition, la situation que tu as amené avant de prescrire quoi que ce soit. Deuxièmement, c'est l'appel. Premièrement, notre condition, notre situation. Deuxièmement, l'appel. Est-ce que tu n'es pas content? Au lieu que tu viennes sans être invité, demandant la réception, demandant la miséricorde. Mais Dieu qui te connaissait avant même que tu le reconnaisses, que c'était là ton problème, il t'appelle déjà. Premièrement, c'est la condition, la situation dans laquelle nous sommes. Deuxièmement, c'est l'appel. Et ensuite, troisièmement, c'est la conversion et la cure, la guérison. Je me réjouis avec toi ce soir, c'est ta soirée. Tout ce qui a besoin de la touche, tout ce qui a besoin de la transformation, venir, nous ne méritons pas ça. Dieu allait nous laisser périr dans notre dégradation, dans notre mal. Nous sommes tombés dans ce puits sale, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous pourrions être abandonnés là-bas, pourrir, mourir, périr et souffrir pour toujours. Mais Dieu a dit non. Il est un bon Dieu, un Dieu aimable, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Ça, c'est toi ce soir. J'ai dit ça, c'est toi ce soir. Afin que quelqu'un croit en lui, ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Tu as la vie éternelle ce soir. Deuxième point donc, l'appel gracieux à venir au Dieu des prodiges. À venir au Dieu des prodiges. Après tout, chacun peut venir parce qu'il a des prodiges sans nombre, incontables, innombrables. Et donc tout le monde peut venir. Il y a de place pour tout le monde. Son cœur d'amour est large, large pour tout le monde. Dieu merci, tu viendras. Je te vois là-bas.
et je vois la joie qui viendra sur ta vie. Tu viens, il va te donner la grâce et il y aura des produits dans ta vie. Troisièmement, c'est la conversion, la guérison glorieuse. La conversion, la guérison glorieuse, deux mots qui sont similaires à en réalité. Notre corps a besoin de la cure. Et cette cure, c'est le changement et la transformation de notre corps. Quelque chose ne va pas dans tes os, quelque chose ne va pas dans tes jointures, quelque chose ne va pas dans ton cerveau. Quel que soit le nom qu'on donne ça, il y a ces choses qui sont dispersées et rien n'est connecté. Tu as besoin de la conversion qui est la cure. Et tout ce qui est l'œuvre des esprits, des démons qui tourmentent ta vie, qui te poussent par-ci, par-là, comme si tu dois ôter tes habits, comme si tu dois courir et fuir même un ennemi imaginaire. Le Seigneur va tout régler ce soir. Ton cerveau, ton organisme, tes jointures, tous les maux là-bas. Tu n'arrives pas à t'asseoir, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à te coucher. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le Seigneur va régler tous ces problèmes ce soir pour toi au nom de Jésus. Alors, notre âme, notre corps a besoin de la cure et de la conversion. Notre âme, quand tu es triste, tu pleures, tu ne sais même pas pourquoi. Les larmes coulent seulement et tu n'arrives même pas à expliquer pourquoi. Et il y a la confusion. Tu es assis, tu n'es pas là, tu te lèves et tu marches. Laisse-moi m'exercer un peu. Et après cela, toutes les pensées reviennent encore et te dominent. Ça, c'est ton âme. Et cette âme, le Seigneur va guérir ton âme ce soir. Et le Seigneur va guérir, va convertir même cette âme. Alors ton esprit très profond dedans, il y a un esprit qui en réalité, quand tu fais ce que tu fais, parfois tu lèves ma main, ce n'est pas la main. Il y a le vrai moi dedans qui contrôle la main levée, qui contrôle les regards et qui contrôle là où je vais et qui contrôle toutes les décisions que je prends. Mais mon esprit est déprimé, dominé et j'essaie de réfléchir. Même les choses que je connaissais, je les oublie. Et il semble, ceci ou cela, maintenant, l'esprit va recevoir une touche divine ce soir au nom de Jésus. La cure, la conviction de l'homme total, corps, âme et esprit. Et dès que tu quitteras ce soir, c'est à quoi tu dois venir au Seigneur. Tu dois plaider avec le Seigneur et tu déposes et abandonnes tout péché de ta vie, toute confusion de ta vie. Tu déposes tout devant le Seigneur ce soir. Un grand changement viendra sur ta vie au nom de Jésus. La conversion glorieuse, la conversion, la guérison glorieuse par la bonté de sa parole. Premier point. Commençons par le premier point. Premier point, nous avons la condition, la situation sombre de la corruption et de l'impiété dans le monde. Bon, nous ne l'avons pas créé. Quand nous étions nés, nous sommes venus dans le monde. Dans le monde de quoi? Le monde de la lumière des ténèbres. C'était là avant que nous venions. Le monde de quoi? Le monde de la maladie, de la souffrance. Comment est-ce que cela est arrivé? Je vous ai déjà dit, il y a longtemps, nous n'avons pas créé ça. C'est le monde dans lequel nous sommes nés. Et le monde du péché et de la corruption. Le péché était là avant que nous venions. La rivière était là avant que nous venions. Et quand nous sommes venus, nous avons plongé dans la rivière. Et toutes les rivières, la saleté, le péché, la corruption, le mal, nous environnent. C'est pourquoi nous faisions ce que nous faisions. Le psalmiste a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est pas ma faute, c'était là avant que je ne vienne. Et dit, je suis né dans l'iniquité. Et il a continué dans le péché. C'était là avant que nous venions. Et ça nous a affectés. Voyons Ésaïe chapitre 1, verset 4. Ésaïe 1, verset 4. Il dit, malheur à la nation pécheresse
Dieu n'a exempté personne. Nation pécheresse. Au peuple chargé d'iniquité. À la race des méchants. Vous voyez, vous comprenez? Quand un chien donne naissance à des chiots, ce chien sera toujours chien. Il va manger des choses sales. Il va se comporter de façon et va donc aboyer comme la chienne qui lui a donné naissance. Ça vient dans la nature. C'est pourquoi il dit à la race des méchants, Adam et Ève, ils ont fait le mal et les autres ont fait le mal. Caïn a fait mal et ceux qui ont suivi ont fait le mal. Le monde à l'époque, ils étaient tous corrompus. Le mal a continué à se transmettre à toute personne dans la nature. Personne n'a vécu comme un ange ici là, sur la terre. Tout le monde commet le mal. Tout le monde est corrompu. Tout le monde pratique des choses sales. Des choses sales parce que c'est la nature de l'homme. Le péché, c'est Satan en nature. C'est la corruption que nous avons rencontrée ici. Et c'est la corruption qui est en nous. C'est la corruption dans laquelle nous nageons. C'est la corruption qui a détruit notre caractère et notre comportement. Nation pécheresse, à la race, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Non seulement ça, il n'y a pas que nous sommes corrompus, mais nous sommes devenus enseignants de la corruption. Tous les enfants qui viennent dans la famille, comme ils observent papa et maman, et si papa n'a pas été à Christ, n'est pas venu au Seigneur, n'a pas eu de changement, de transformation, le langage que papa, maman utilisent, le langage corrompu, ça c'est l'école que l'enfant apprend, le caractère, toutes les choses ont, et même les personnes âgées, tout ce qu'ils font. C'est ce que l'enfant va suivre. Donc chacun a démontré, chacun pratique la nature pécheresse qui les environne. Alors, ils ont abandonné l'Éternel, vous comprenez. Personne ne peut être corrompu s'il est avec le Seigneur, s'il est né de nouveau, s'il a une nouvelle vie en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que les choses, voici les choses anciennes sont passées. Tous ceux qui sont corrompus, il a abandonné le Seigneur. Quiconque est un corrupteur, c'est qu'il a abandonné le Seigneur. Ceux qui font le mal, Dieu est bon. Il ne fait pas le mal. Tous ceux qui font le mal, c'est qu'il a abandonné le Seigneur. Je sais que ceux parmi nous, nous avons une copie de la Bible, mais avoir une copie de la Bible, la vie, c'est ce dont nous parlons. Nous avons abandonné le Seigneur. Quand le mauvais caractère, quand le caractère maléfique qui est dominant dans notre vie, que nous soyons jeunes ou vieux, que nous allions à telle église ou cette église ou l'autre église, que nous soyons dans telle religion ou dans telle autre religion, c'est la nature humaine partout. Parfois, vous voyez quelqu'un qui marche, qui travaille au bureau, il a pris une grande somme d'argent là-bas. Et on vérifie, on dit ceci là, c'est parce qu'il ne va pas à l'église. On dit quel est ton nom? Et il mentionne son nom, c'est un nom chrétien. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Pourquoi ne va-t-il pas faire ça? Parce que la nature du péché est en lui. Parfois on dit, quel est ton nom? Il mentionne le nom d'une autre religion. C'est pas la religion, c'est la nature dans le caractère. C'est le mal de la corruption dans l'homme qui se manifeste. C'est pourquoi le Seigneur dit, ceci est général. Et cette chose tue tout le monde. Et cette chose donc conduit tout le monde en enfer. Mais si tu viens, il apportera un changement dans ta vie. Un changement dans ta destinée. Ta vie sera radieuse. Je n'ai pas entendu mon amen. Et toute mauvaise chose
C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, il va laver tout. Il dit, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quand tu pratiques le mal, que ce soit petit ou grand, que ce soit local ou national, que ce soit ici ou là-bas, que tu le caches pour que les gens ne sachent pas que c'est toi qui le fais, il dit, quiconque corrompu, tout le monde est corrompu. Tout le monde est pécheur et malfaiteur. Il dit alors, toi, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Mais Dieu est tellement bon et il dit, viens toujours. Je sais que tu es mauvais, mais je te rendrai bon. Je sais que tu es mauvais, je te donnerai ma miséricorde. Je sais que tu es pécheur, je connais la condamnation qui est là. Mais il ne veut pas que tu restes dans cette culpabilité, dans cette condamnation. Il va transformer ta vie. Il dit, ils se sont retirés en arrière. Ils se sont retirés en arrière. Il y a plusieurs manières par lesquelles les gens se retirent. Ils tombent dans la fosse derrière parce qu'ils ne regardent pas. Leur esprit n'a pas la bonne connaissance pour savoir que ça, c'est une fosse, que ceci, c'est une vallée. Pour que, ah, ceci, alors si tu tombes dedans, tu vas détruire ta vie. Ils ne savent pas. Et joyeusement, ils dansent et ils tombent dans la fosse. Mais Dieu merci ce soir, le salut est venu pour toi. La délivrance est venue pour toi ce soir. Mais il dit, verset 16, il dit, verset 16, lavez-vous, purifiez-vous. Il y a certaines personnes qui disent, d'accord, tu m'as dit de venir, me voici, je viens. Verset 16, avant de te dire, dans le verset 18, est-ce que tu as le temps, on a dit, le roi appelait Joseph et il était dans la prison. Il a changé ses vêtements. Il allait vers le roi. Et comme tu viens, il dit, tu viens dans le palais du roi des rois, des rois, le Seigneur des seigneurs, lave-toi et purifiez-vous. Et ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est comme ça nous venons. Nous ne pouvons pas tenir notre cigare pour dire, Seigneur, je suis venu. Et tu fumes et tu déverses la fumée dans ses yeux. Il t'est devenu avec ça. J'ai dit, en venant, je vais te purifier. Je vais te pardonner. Je vais faire quelque chose de bon dans ta vie. Et les mauvaises choses que tu es en train de sortir là, il ne faut pas venir verser ça dans lave-toi, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux les actions, cessez de faire le mal. Vous ne pouvez pas continuer dans la mauvaise chose, vous ne pouvez pas continuer dans cette puissance des ténèbres, vous ne pouvez pas continuer dans ces mauvaises choses que vous faites pour dire je viens, oh Seigneur, tu es Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, maintenant je viens. Vous voyez ce que vous avez de faire. Verset 17 dit, apprenez à faire le bien. Laisse l'autre langage et apprends un nouveau langage. Le langage du royaume. Le langage céleste. Et le type de vie, le type de caractère que Dieu approuve. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alors, verset 18, il dit, venez et plaidons. Plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quelqu'un me donne un bon amen. En Romains 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ne parlent pas de certains divins. Ils veulent venir, mais Dieu dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Cet instrument de magie, laisse ça.
L'occultisme laisse la colère, la violence, en détruisant la vie des autres, laisse ça. Alors s'il doit déposer ça avant de pouvoir avoir le salut, alors je ne vais pas venir. Tu n'es pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Dieu va te bénir ce soir. Mais laissez-moi vous parler de ces gens-là qui ne veulent pas venir, disent. Comme ils n'ont pas voulu connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Vous savez, quand quelqu'un est livré à lui-même comme ça, voici la voie qu'il suit. Dieu dit, laisse cette chose, ôte cette chose, jette ça, je veux te pardonner. Ah, alors il dit, non, non, je ne veux pas, tu veux me bénir, bénis-moi si tu veux me bénir. Et ils continuent, et ils sont persistants dans ce qu'ils font. Je prie que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne va pas m'abandonner. Il ne va pas t'abandonner au nom de Jésus. Dieu les a livrés à un sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous voyez, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Il y a des gens, les 16 amis qu'ils ont, c'est ceux qui brisent, qui détruisent les maisons. C'est des amis comme ça, ils ont. Le type d'amis qu'ils ont sont des gens qui fument, qui boivent et roulent qui roulent par terre. Le type d'amis qu'ils ont, c'est des amis qui vont les amener, qui les poussent de mal en pire. Tu ne seras pas comme ça. Il dit, connaissant le jugement de Dieu, déclarant, dit de moi, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. La question est, est-ce qu'il y a d'espoir? Est-ce qu'il y a de pardon? Est-ce qu'il y a de salut? Oui. Oui, 1 million de fois. Il y a le salut pour tout le monde. Amen! Deuxième point maintenant. Deuxième point. L'appel gracieux à venir au Dieu des prodiges. Prodige de tous les prodiges. Voyez, un homme méchant, un blasphémateur. Christ l'a rencontré et il a eu une rencontre inoubliable avec Christ. Sa vie a été transformée. Il était le premier des pécheurs. Il était si sale. Vous ne pouvez même pas penser à quelqu'un comme ça. Il était comme une bête, un animal qui n'avait aucune conscience. Mais quand il a rencontré Christ, un changement est venu. Et je vais te dire ce soir, peu importe d'où tu viens, peu importe la profondeur du péché dans lequel tu es, le Seigneur t'appelle ce soir. La miséricorde t'appelle à la maison. Le pardon vient pour toi. Le changement de vie, la transformation vient pour toi ce soir au nom de Jésus. Deuxième point donc, l'appel gracieux à venir au Dieu des prodiges. Ésaïe 1, verset 18. Le verset est si merveilleux, nous devons le relire plusieurs fois. Il dit, venez maintenant, venez et plaidons. Vous savez, parfois, un dirigeant de la nation, un gouverneur, un président, peut t'envoyer chercher. Il peut ne pas venir, mais il envoie quelqu'un pour dire, allez m'appeler cet homme. Nous voyons donc dans les registres, il souffre, elle souffre. Nous voyons dans les registres que les enfants ne vont plus à l'école et le gouvernement a réservé de l'argent pour prendre soin des gens comme toi. Il faut qu'ils viennent. Nous allons discuter avec elle et on envoie quelqu'un te chercher. Le gouverneur t'appelle. Moi? Est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il connaît mon nom? Est-ce qu'il connaît ma condition? Ce que j'endure? Je n'ai même pas l'argent pour prendre le véhicule aller chez lui. Il dit, c'est pourquoi il nous envoie. Et pourquoi il envoie quelqu'un? Et il le fera dans ta vie ce soir. Il dit, il connaît ce que tu endures. Il connaît ta condition. Il sait que si tu avais la chance, tu peux même vouloir tout terminer et aller dans l'au-delà. Mais il dit,
Il m'envoie te dire de venir. Il t'appelle pour quelque chose de bon. Il t'appelle pour le salut. Il t'appelle pour la guérison. Il t'appelle pour la délivrance. Il dit, évangéliste, dis-lui, je l'attends ce soir. Je veux le bénir. Il dit, ah, qui t'a envoyé? Le Dieu du ciel, le Dieu des prodiges, le Dieu de guérison, le Dieu de salut. Qu'est-ce qu'il t'a dit de me dire et de te dire de venir maintenant? Est-ce que tu vas venir? Amen. Le Seigneur va te bénir. Viens maintenant et plaidons, dit le Seigneur, si tes péchés, dis pas que mes péchés sont nombreux. Oh, j'ai fait des choses terribles. Oh, j'ai fait des choses terribles. Ne t'en fais pas pour ça. Quels que soient les péchés, le Seigneur m'envoie, te dit ce soir, que tu as le pardon ce soir. Tu as la libération ce soir. Plaidons, dit le Seigneur, si tes péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront, verset 19, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, quand tu appelles pour recevoir quelque chose de bon, tu es disposé à venir. Je dis, tu es disposé à venir. Et tu es obéissant et tu vas venir. Et vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelqu'un crie Amen! De nos façons limitées, nous pensons que nous connaissons. Ou est-ce que vous avez écouté l'histoire d'une femme? Et cette femme appelle Agaï. Elle avait un enfant, Ismaël. Et l'eau était complètement terminée. Et là où elle était, il semblait qu'il n'y avait pas d'eau. La bonté du pays, donc elle pensait, n'était pas disponible. Par sa connaissance, par son observation, c'est comme si, oh, mon enfant là va mourir. Elle a commencé à pleurer. Le Seigneur. Quel est le problème? Elle a narré le problème. La bonté du pays était là. Elle a Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu un puits d'eau. Personne n'a compétit avec la bonté du pays était derrière là. C'est ce que je vous dis. Pour plusieurs fois, nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas. Mais Dieu dit, je vais vous montrer la bonté du pays. Cette année, Dieu va te montrer la bonté du pays. Il dit, si vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je prie pour toi que cette opportunité, tu ne vas pas la rejeter au nom de Jésus. Matthieu 11, verset 28. Voici Jésus lui-même. Il est venu depuis le ciel. Il était avec Dieu tout au long de l'éternité, depuis le passé immémorable. Le Père a dit, ces gens-là souffrent et je t'envoie vers eux. Alors il est venu, ils ne l'ont même pas reconnu. Quand il était né, il ne savait même pas faire du bien. Finalement, vous connaissez l'histoire, il a commencé à grandir. Il était dans le désert, tenté pendant 40 jours, mais il a vaincu le diable en ta faveur. Et ce soir, cette victoire se transmise dans ta vie. Alors, beaucoup souffraient encore. Beaucoup avaient été déjà guéris, mais plusieurs étaient encore dans le péché. Beaucoup étaient déjà sauvés, pardonnés déjà. Et beaucoup étaient encore dans le péché non sauvé. Et ils luttaient, ils se débattaient. Mais il est venu publiquement vers tout le monde pour faire lancer l'invitation. Et l'invitation de Christ est pour toi ce soir. Où es-tu? De qui parle? De qui je parle là-bas? Tout le monde. La paix viendra dans ton âme. La bonté de Dieu va saturer ton cœur ce soir. Les regrets, je ne pouvais pas, je ne peux pas.
Oh, je n'ai pas, je n'ai pas. Ce soir, tu auras. Voyons ceci dans le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous voyez, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de partialité. Est-ce que je ne vais pas avoir, est-ce que je vais avoir? Tu vas avoir. Je vais recevoir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le manque de repos dans notre cerveau, le tourment dans notre cerveau, et je vous donnerai du repos. Le manque de repos, l'agitation en nous, dans notre personnalité, nous sommes tiraillés, tirés par-ci, par-là. Le Seigneur dit, viens simplement, viens simplement, viens simplement. Je vous donnerai du repos. Il te donnera du repos ce soir. Voyons, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Verset 17. C'est pourquoi 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Si nous devons venir, nous devons d'abord sortir. Sortir des ténèbres, sortir de nos péchés, nous devons sortir de notre mal, nous devons sortir de ce gang, nous devons sortir de cette magie de l'occultisme, nous devons sortir de l'idolâtrie, nous devons sortir de ces choses qui ruinent notre vie. Si nous devons entrer, venir à Christ, nous devons sortir du chaos, de la confusion, nous devons sortir de la corruption. Et dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, verset 18, et je serai pour vous un père, verset 18, je serai pour vous un père, je serai pour vous un père. Il y a des pères. Satan est le père de ceux qui pratiquent le mal. Parce que le mal, si vous écrivez en anglais, ça devient diable. Ceux qui commettent le mal dans leur caractère, dans leur style de vie, dans tout ce qu'ils font, enfants du diable. C'est pourquoi Jésus a dit à ces juifs qui s'enorgueillissaient de leur religion, de leur dénomination, qui s'enorgueillissaient des choses qu'ils faisaient. Il dit, oui, nous sommes de Dieu parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Et Jésus a dit, non, Abraham, vous n'agissez pas comme Abraham. Vous ne vous comportez pas comme Abraham. Vous ne me soumettez pas à Dieu comme Abraham. Je vous dirai qui est votre père. Vous avez pour père le diable. Bon. Dieu l'a envoyé. Que nous devons passer de fils du diable pour devenir enfant de Dieu. Et il dit, et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi, vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelqu'un crie Amen. Le Seigneur va te recevoir. Le Seigneur va te pardonner. Il ne va pas garder sa colère à jamais. Si toi, tu peux te soumettre à Dieu pour dire Seigneur, je viens. Je ferai de toi mon Père. Jésus-Christ est mon Sauveur. La vie éternelle viendra à toi ce soir. Troisième point maintenant. Troisième point, la conversion et la guérison glorieuse par la bonté de sa parole. Comme je regarde la marée humaine ici, comme la pluie va tomber, la guérison va tomber du ciel. La délivrance va tomber du ciel. Le salut viendra du ciel. Quand la pluie tombe, vous savez, votre maison est là. Et il y a d'autres maisons aussi autour. Et la pluie est partout. Il ne va pas dire, parce que tu es mauvais,
parce que tu es ceci ou cela. Il va dire, d'accord, pluie, ne tombe pas là-bas, tombe ici. Et là, vous avez la pluie derrière, la pluie devant, la pluie à gauche, la pluie à droite. Et maintenant, votre maison seule, c'est celle-là qui n'a pas la pluie. Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il veut bénir tout le monde ce soir. Et je vois la pluie qui tombe là-bas. Je vois la pluie qui tombe là-bas. La guérison. On n'a pas besoin de crier, de rouler par terre. La pluie va tomber seulement sur toi ce soir. Est-ce que tu espères? Ça viendra. Dis, ça viendra. Nous savons de Psaume 50. Psaume 51. Psaume 51. Psaume 51. Rends-moi la joie de ton salut. Le salut vient avec joie. Quand tu sais que tes péchés sont pardonnés, le joug est brisé, la chaîne est dispersée et tout ce qui te retenait avant. Psaume 51, 14. Ce que tu ne faisais pas, la grâce de Dieu vient dans ta vie et dit tes péchés sont pardonnés et tu es affranchi. Maintenant, tu as un esprit libre. Tu as la joie du salut. Cette joie du salut vient pour toi ce soir. Alors, il dit, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous savez, ce psalmiste savait qu'il y a le pardon d'un côté, ça c'est bon, mais il y a également la libération de l'autre côté. Il te donne le pardon et il te donne la libération. Il t'a franchi. Voyez le verset 15. Verset 15 dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Tu seras si heureux, tu vas vouloir en parler aux autres. Tu seras si heureux et joyeux que tous les partenaires du péché du passé et les membres des mêmes gangs, tu vas leur parler. Oh, tu ne peux pas imaginer ce qui m'est arrivé. Je suis libre. Oh, la condamnation est partie. Les douleurs de la culpabilité, tout est parti. Et tu en parleras aux autres. Et grande sera les bénédictions du salut de Dieu en toi et envers les autres au nom de Jésus. Et les pécheurs reviendront à toi. La conversion. Les pécheurs auront le changement, ils auront la transformation, leurs vies seront nouvelles et les pécheurs seront convertis. Et ça, c'est la conversion que tu auras ce soir. Un changement de vie pour toi ce soir. Avant, j'étais dans les ténèbres, mais maintenant, je suis venu à la lumière. Avant, j'étais sale. J'étais dans la fosse de la condamnation. Mais maintenant, oh, la liberté totale est venue pour toi au nom de Jésus. Voyons Psaume 103. En Psaume 103, voyons le verset 1. Psaume 103, verset 1. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vous voyez cela? Que tout ce qui est en moi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en moi, l'esprit, qu'on ne voit pas, recevra la touche de Dieu, mon âme. Tu ne peux pas voir ça. Tout ce qui est en moi va recevoir la transformation de Dieu. Mes os et mes jointures que tu ne vois pas recevront la santé et la guérison du Seigneur. Et les poumons, le foie, la gorge, partout dedans, même les nerfs de tes yeux, la guérison divine vient pour toi ce soir. Et tes oreilles, les membranes, tout ce qu'on ne voit pas là-bas, la guérison viendra pour toutes choses dedans. Les arthrites qui sont dedans. Mais quand tu es debout comme ça, personne ne sait. Mais quand tu essaies de bouger, de marcher, de t'asseoir, oh, les choses crac. Et tu sens des douleurs. Personne ne peut voir ça. Mais maintenant, toute partie de ton corps ce soir recevra la guérison du Seigneur. Recevra la bonté du Seigneur. Quand cela se produira, tu diras, tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Et il explique dans le verset 2. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au pluriel, bienfaits pour toi. Bénédiction au pluriel pour toi ce soir. Verset 3. Verset 3 dit, c'est lui qui pardonne combien de tes iniquités? Toutes tes iniquités. Et qui guérit
toutes tes maladies. Amen. Mon cœur est tourné vers toi. La guérison vient pour toi. Et quand nous prierons, en présentant ton cas, ta maladie devant le Seigneur, ou même si je ne dis pas qu'il y a ceci ou là cela, je n'ai pas besoin de mentionner les choses une à une. Mais comme nous prions, comme il envoie la pluie de guérison, de délivrance, il va te toucher là-bas ce soir. Voyons le verset 4. Verset 4 dit, c'est lui qui délivre. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Tu ne vas pas mourir avant ton heure. Parfois, tu fais quelque chose là-bas, tu cours de là-bas et tu vas de l'autre côté. Et les gens disent, comment est-ce qu'un homme peut aussi être méchant? Un homme, il m'a fait ça. Et on te cherche, on te cherche, on te cherche. Quand nous allons le trouver, nous allons l'achever. Quand tu viens à Christ ce soir, il ne peut plus t'achever. Ta vie va continuer parce qu'il rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. C'est lui qui rassasie ta vie. Si tu vivais difficilement, de façon miraculeuse, le Seigneur va pourvoir tes besoins. Et qui te rajeunit comme l'aigle. Verset 5. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Cela veut dire que quelque chose de bon viendra et renouveler ta vie ce soir. Luc, chapitre 7, verset 21. Luc 7, 21. À l'heure même. À cette heure, je dis à l'heure même. À cette même heure, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies. Complet. À l'heure même, le Seigneur est toujours prêt. Et il a la guérison à tout moment. À tout moment, quand nous venons et l'invoquons, c'est comme un docteur. Il sait que les gens ont des maladies, et il sait qu'ils vont venir. Il a déjà tout emmagasiné là-bas. Et quand tu viens, il va pas dire, oh, quelle pitié, hein. Oh, nous n'avons pas ce qui va guérir, hein. Non, Christ a toujours ce qui va régler ton problème, hein. La guérison. Il t'attendait. C'est-à-dire, la délivrance, c'est là. Ça t'attend. Tout ce dont tu as besoin, tout est disponible ce soir. Pour moi. J'ai dit pour moi. Le pardon disponible pour toi, ça t'attend pour moi. La délivrance pour moi. La guérison pour moi. C'est prêt et c'est disponible. C'est quoi dit à l'heure même. Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la même puissance, la même parole, la même grâce à chasser les mauvais esprits, les esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Amen. Verset 22. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Tu verras les miracles remarquables dans ta vie ce soir. Mais tu ne vas pas rentrer à moins que tu ne vois. Parce que si ces gens étaient rentrés, ils n'auraient pas vu ce qui est arrivé dans le verset 21. Mais il dit, vous avez vu ça maintenant. Toute forme de maladie, toute forme d'infirmité, chacun a été guéri. Et il dit, allez rapporter à Jean. Allez rapporter à tes voisins. Allez rapporter à tes amis. Va rapporter à tes membres de famille que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tu vas recevoir quelque chose ce soir. Et ce que tu reçois, tu pourras repartir à la maison et témoigner. Je reçois, je raconte. Tu reçois et tu rapportes. Où es-tu? Tu reçois le salut ce soir
et tu vas rapporter. Tu reçois la guérison ce soir, tu vas reporter. Tu reçois la délivrance ce soir, tu vas rapporter. Reçois les prodiges, les merveilles sans nombre. Dis-le pour toi, non? Alors tu iras rapporter. Est-ce que tu es prêt? Le ciel est prêt pour toi. Dieu est prêt pour toi. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, venez, venez maintenant. Est-ce que tu viens? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut pardonner tous les péchés que tu as commis. Il veut t'affranchir. Il veut te donner la nature de Dieu, la nature de Christ, afin que ta vie maintenant soit directe, ne soit plus tortueuse. Au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux le pardon du Seigneur, le salut du Seigneur, la libération, la transformation dans ton esprit, dans ton âme, dans ta vie, dans ton caractère, n'importe où tu es. Lève simplement ta main. Ça, c'est un signe que tu veux venir à Christ. Que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. Lève la main, garde la main levée. Et ceux qui, vous qui levez la main maintenant, c'est le moment. C'est le seul moyen par lequel Christ va te donner le salut. Il va écrire ton nom dans le livre de vie au ciel. Christ va t'affranchir. C'est ta chance et c'est ta réponse à l'invitation du Seigneur. Viens maintenant. Lève cette main. Lève cette main. Si tu lèves la main, tu vas te tenir debout pour que je puisse t'identifier là-bas. Alors, je vais prier pour toi. Je t'attends. Lève-toi. Si tu lèves ta main, mets-toi debout. Tu veux le pardon? Tu veux son salut? Tu veux qu'il t'affranchisse? Lève cette main et mets-toi debout. Je prie pour vous maintenant. Sois d'accord avec moi. Et comme je suis en accord avec vous dans cette prière, que Dieu va vraiment te pardonner et changer ta vie. Rappelle-toi, lavez-vous, purifiez-vous et ôtez les mauvais actes devant Dieu. Seigneur, je me détourne de cela, je me répands de cela, comme tu me pardonnes et m'affranchis, je sais que j'aurai la grâce pour mener une nouvelle vie. Que Dieu te bénisse, toujours debout, nous prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ton invitation, et tu ne lances pas une invitation partielle à certains et tu oublies d'autres. Il y a la place à la croix pour tout le monde. Je prie que ton pardon vienne à tout le monde maintenant au nom de Jésus. Je prie que toutes les condamnations, la culpabilité, les confusions et l'impotence dans le péché, je prie que tu ôtes tout maintenant au nom de Jésus. Affranchis-les. Brise ce joug du péché. Brise les chaînes du péché. Et les choses qui les maintenaient captifs. Je prie que tu détruises tout ce qui est du diable de leur vie, de leur âme et de leur esprit au nom de Jésus. Confirme le salut, la joie du salut, le pardon dans le salut, la libération dans le salut. Confirme-le dans chaque vie maintenant. Merci Seigneur parce que je sais que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un grand amen. Que Dieu vous bénisse là-bas, toujours debout. Nos conseillers sont là, partout. Viendront s'occuper de vous. Faisons-le rapidement. Notre modérateur viendra nous diriger dans ces sessions de conseil. Dans quelques minutes, je reviendrai. Tu vas déposer ta maladie avant de rentrer. Amen. Tu vas déposer ta maladie avant de rentrer au nom de Jésus. Partout, nous sommes dans une assemblée locale, sur un champ de croisade. Occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Gloire à Dieu.
comme nous le faisons, c'est le premier jour de ce programme, et par la grâce de Dieu, nous continuons demain, même heure, à 17h, nous démarrons. Comme tu rentres, eu égard à ce que tu as vu, parle-en aux autres. Tu as reçu, tu vas en rapporter. Et comme ils viennent, ils vont recevoir de grands miracles au nom de Jésus. Occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Donnons-leur les fiches de décision. Et le matin, demain matin, pour tous les professionnels, les ouvriers chrétiens, ministres de l'Évangile, nous avons la conférence des ministres et des professionnels demain matin. Et ça démarre à 7h. Même avant ça, nous devons être là pour la prière. Notre Père dans le ciel est là pour nous bénir, pour apporter de grandes transformations dans nos vies et dans notre ministère au nom de Jésus. Nos ouvriers, vous êtes censés être là pour recevoir la touche du Seigneur. Soyez là donc, et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Si vous suivez en ligne, et vous venez donner votre vie à Christ après la prière, le message du pasteur ce soir, il y a un lien. Cliquez dessus et remplissez pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche en Christ. Si vous écoutez à la radio ou bien à la télévision et vous venez donner votre vie à Christ, envoyez vos noms et numéro de téléphone par SMS, par ce numéro WhatsApp, +234 91 54 44 92 62. Je reprends. Pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur, il y aura une séance spéciale dans votre nouvelle foi. Vous pourrez donc être affermi, enraciné en Christ. Par la grâce de Dieu. Il y aura un banquet spécial en ligne pour ceux qui adorent en ligne. Et vous allez donner votre vie à Christ. Le banquet vous parviendra le 5 février 2023. Vous recevrez plus de détails à ce sujet. Notre pasteur sera ravi de vous voir participer à ce banquet spécial. Et pour nous qui sommes au lieu principal, notre banquet aura aussi lieu le 5. Dans les autres pays, régions, pour ce banquet de nouveaux convertis, les détails vous seront donnés plus tard. Thank you.
Alors donc, Dieu a beaucoup de choses pour vous. Ce que Dieu fera en ce lieu, tu recevras et tu en parleras aux autres. Dis, je vais recevoir et je vais en parler aux autres. Tel que tu le dis là, on dirait que tu n'es pas sûr, hein. Il te soit fait selon ta foi et ta confession au nom de Jésus. Un plus grand Amen. Dieu des prodiges est là. Tu n'as jamais eu avant, c'est ton jour aujourd'hui. Si tu crois, crie Amen. Notre Dieu ne fait pas de discrimination. Comme nous lui faisons confiance, comme son serviteur va prier, quelque chose de grand, de gracieux. Au nom de Jésus. Un grand Amen. Donc, donnons les fils de décision à ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir et aidons-les rapidement à remplir. Et veillons donc à prendre les noms et les informations correctes. Donc, vous pouvez nous écrire sur le numéro plus 234 91 54 44 62 92.
L'homme de Dieu reviendra et chaque fois qu'il prie, Dieu a toujours honoré ses prières. Et quand il prie, quelque chose se passe toujours. Ce n'est pas que nous exagérons quelque chose. Ça s'est toujours passé ainsi. Mois après mois. Miracles multiples. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Des merveilles sans nombre, crie-le. Si tu crois, ça va se produire. Merveilles sans nombre. Notre Père dans le Seigneur revient maintenant. Rappelez-vous, quand il prie, le ciel répond. Levons-nous comme notre Père dans le Seigneur prie pour nous. Gloire à Dieu. Mon miracle vient. Mon miracle vient. Quel que soit le défi que tu as, voici ton moment. C'est à l'heure-même. Le Seigneur accomplit les miracles. Maintenant, la puissance de Dieu viendra sur toi. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les paralytiques vont retrouver la force dans les jointures pour se lever, marcher. La surdité va disparaître. Tous les autres problèmes au ventre, dans les os, n'importe où. Quand tu entendras la mention du nom de Jésus, cette chose doit disparaître. Nous tous ici, au lieu principal, et tous ceux qui sont en ligne, n'importe où vous êtes, vous allez vous identifier vos problèmes. Et quand le dernier Amen vous parviendra, vous êtes guéri, délivré, affranchi. Identifie le problème, mets une main là-bas et lève la deuxième main. Avec une grande attente, sachant que le nom de Jésus ne peut faillir. Il a fait aux autres et il fera pour toi maintenant. Lève cette main et mets la deuxième main là où tu as le problème. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions Seigneur, démontre, manifeste ta puissance maintenant même au nom de Jésus. Nous prions Seigneur, là où se trouve le problème, interne, extérieur, dans les os, dans la jointure, dans le ventre, dans les poumons, n'importe où. Touche-les miraculeusement maintenant, guéris-les au nom de Jésus. Je prie Seigneur que toute douleur disparaisse, infirmité disparaisse, les faiblesses du corps disparaissent. Je prie, quel que soit le nom du problème, de la maladie ou de l'infirmité, Seigneur, démontre tes prodiges, tes merveilles dans leur vie maintenant. Guéris-les, délivre-les au nom de Jésus. Puissance maléfique, démon, mauvais esprit qui tourmente n'importe quelle vie. Je te commande, esprit mauvais de démon, sors au nom de Jésus. Et tous ces maladies incurables, tu as trimballé ça là et on n'a pas pu guérir. Manifeste ta puissance. Guéris-les maintenant au nom de Jésus. Problème des yeux, guéris-les au nom de Jésus. Problème des oreilles, soyez guéris au nom de Jésus. Problème dans votre esprit, soit guéri au nom de Jésus. Douleur de cancer, je prie Seigneur, touche-les. Guéris-les maintenant au nom de Jésus. Ulcère, je prie que la douleur, les symptômes de l'ulcère disparaissent au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri maintenant au nom de Jésus. VIH/SIDA, sois guéri au nom de Jésus. Drépanocytose, douleur, que Dieu te touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Je prie les problèmes occultes, les puissants d'occultes qui tourmentent ta vie, que ces puissances soient détruites de ta vie maintenant.
Tu es délivré. Tu es affranchi. Seigneur, confirme-le dans leur vie au nom de Jésus. Folie, insanité. Je prie que le Seigneur te touche au cerveau, touche cet homme-là maintenant. Sois guéri, délivré au nom de Jésus. Je prie. Ces sensations qui te poussent à vouloir mourir, qu'on met de suicide, Seigneur, ôte la confusion de leur vie. Donne-leur la joie et l'excitation de vouloir vivre au nom de Jésus. Tu as marché sur le poison et ça prend des faits. Seigneur, neutralise ce poison maintenant. Guéris-les, délivre-les, affranchis-les au nom de Jésus. Toute forme de problème interne, externe, lèpre, quel que soit le problème, Seigneur, je prie. De là, à ma gauche, à ma droite, au milieu, devant, derrière, au milieu, derrière, partout, en ligne, à la radio, à la télévision, miracle, prodige, guérison, délivrance, manifeste-le dans chaque vie maintenant. Seigneur, qu'il y ait une confirmation, une démonstration dans chaque vie maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis guéri. Je suis délivré. Examine-le. Tu as ton miracle maintenant.